Bonjour les abonnés YouTube. Ouais, ça avance tout seul, ça s'appelle un escalator plat. Première anecdote, on arrive à l'aéroport 1h30 en avance et malgré tout, qu'est-ce qui se passe? On rate l'avion. Le problème avec mon casque de Bourdic, c'est que quand je le mets, on dirait que je fais une vidéo de gaming. Yo, tout le monde, c'est Squeezie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo complètement déjantée sur un jeu japonais. Alors, je suis posé, lol, je suis arrivé niveau 8. On s'en va les steaks, allez, ciao. Norman et John, je vous fais parvenir ce missive message. Accepteriez-vous une photo, message écrit sur un sac à vomi? On a retrouvé le fameux Thomas qui a laissé un petit mot dans l'avion. Bon séjour Thomas. Amuse-toi bien. Salut, baisse bien. Ah, il a dit baisse bien. C'est... Il est coquin ce Thomas. On peut clairement dire que dans ton plat, quelqu'un a mis du shampoing. Faut que tu évolution. Bonjour. Et quelqu'un rentre dans ma chambre? C'est faux. J'ai complètement entendu des voix, je suis Jeanne d'Arc. Et John Rachid s'est totalement endormi sur le canapé en glace. Cet homme peut dormir vraiment n'importe où, quoi. Là, on est à Andorre, qui est une petite ville. Principauté. En Espagne. On est sur un petit vlog. Un vlog, c'est quoi? C'est un vidéoblog. Un vidéoblog, hein. Tu dis plus vite, ça fait vlog, hein. Ouais, tu mélanges deux mots, ça fait un seul mot. Parce que un mot plus un mot, ça fait un mot, hein. On n'a pas le temps de prendre la neige. On fait n'importe quoi avec, hein. Attention. Attends, je me suis rentré dans le nez. Il y a un gros débat pour savoir qu'est-ce qu'il y a de mieux entre snowboard et patinette, hein, les petites snowblades. Moi, je vais vous dire la vérité. Je prends des snowblades parce que ça va beaucoup plus vite et je prends plus de plaisir qu'en snowboard. Regarde, le mec qui est ici, c'est quoi? Est-ce que c'est un snowblade? Non, c'est le snowboard. Oui, mais tu ne feras jamais ça. Stylo Max. Voilà. Ce mec va faire des patinettes. Ça va être extrêmement mieux. Oh, regardez, il est tout seul. On est sur le télésiège avec Titouche. Salut. Et histoire énorme, il y avait un mec ici installé avec nous. Et bien cet homme est tombé du télésiège sans problème et a continué en ski tout seul. Hey Michel! Je vois son bâton. Jordi, catalan. Jordi, catalan. Si. Si. La paella. Oh là, je suis cabossé, mon gars. Alors là, on est carrément face à un bouchon. On est face à un très très gros bouchon. Et le tire-fesse, ça pose de problème à personne? Ouais, c'est bon, tant qu'il y a le mot fesse dedans, ça me va. Le principe de l'espagnol, c'est une langue que tu peux parler que très fort. Ah, aussi. Ça fait 15 minutes qu'il parle comme ça. Vale, pues no te preocupes, entonces bajaré, pero no te digo la hora. Pues como tengo mi hija aquí en casa. Un vrai plaisir. Voilà ma coupe de cheveux après 3 heures de snow, complètement défoncé. C'est exactement comme d'habitude en fait. Cet homme est Bob Marley en réincarné. Merci beaucoup mon pote. De rien, à plus les gars, j'espère que vous êtes bien amusés. Un vrai plaisir de glisse. Surtout le moment où j'avais la tête dans le sol, dans la neige, là j'ai vraiment kiffé. On se prend une vraie claque de paysage. C'est bizarre de voir des publicités pour le tabac. Les gens te disent vraiment, fume beaucoup, ça rend très très bien. À Andorre, ils se prennent pas la tête, ils font carrément le pack bouteille de Sky, double cartouche. Pour se déchirer la gueule, le pack pochetron, le kit du bon soulard. J'ai trouvé mieux, aucun rapport. Ils font carrément donc le pack double cartouche de Camel avec un bras à selfie. Ces deux objets n'ont aucun rapport. Ça n'a aucun sens ce pack. Fais une boîte, hein. Deux poissons panés. Je suis hyper content pour ça. Je suis clairement hyper content, les gars. What do you mean? Je suis dans la voiture avec mes sabs. Et là, qu'est-ce que je vais faire? De l'hélicoptère. Moi, j'ai un peu peur aussi. Hein. Je t'avoue que ça commence à chocotte là. Ça commence clairement à chocotte. En expression des années 70. Ok, le stress est maximal. Ah, j'ai très très peur. Ok, on est parti, les gars. Je suis dans l'hélico. Une phobie là, je sais pas si vous en rendez compte. Ouais, bravo. Non, franchement, bravo. Ça fait 28 ans que je flippe de monter dans un hélico, pourtant c'est mon gros rêve. T'as pas vaincu la phobie du cadrage par contre. Petite astuce pour apprendre à bien manger avec les baguettes, très très simple, je vous montre ou pas? Tu fais comme ça, tu prends les baguettes, tu les mets ici et tu prends vraiment la fourchette. Voilà, c'est beaucoup plus simple. J'explique aux gens sur le jeu ridicule de gamin que tu fais. Vas-y. Dès que je mets mes écouteurs, il dit des conneries sur moi. Non, dis des vérités. J'ai 31 ans, je vais pas faire ça. Il a tellement de vieux style avec sa gueule. Ses vieux cheveux, il croit que ça fait stylé. Quoi. Coupe ta moche, frère. Aucun rythme. Aucun. Bienvenue dans Automoto. Aujourd'hui on teste quoi? On teste la motoneige IGL T100. IGL T100 de Mitsubishi.
Pichi. Ouais, c'est un bon modèle. C'est un modèle chelou qui a la patate. Elle en a rien à envier aux autres concurrents. C'est plus prenant d'être derrière que devant. Et c'est pas de tout repos. Hey, j'ai perdu deux vertèbres. C'est génial. Bah, je vais devoir aller chez le kiné. Mais sinon, c'est bien. Vous savez quoi quand tu jettes une GoPro en l'air? Aujourd'hui, je vais réaliser l'un de mes rêves que j'ai envie de faire depuis que je suis vraiment tout petit. Du chien de traîneau. Ils font un peu bader, mais ils sont super mignons. On dirait qu'ils vont me sauter dessus. C'est des chiens de traîneau qui ont vraiment un style de Doberman de Tess. Le danger est total. Ces chiens sont des putains de chiens d'attaque. Oh non, ils font de la peine un peu. Lui, j'aime bien lui. Lui, c'est mon pote. Comment il s'appelle? Akila. Akila. J'arrête pas le dire. Je ferai pas de bisous. Vraiment, je préfère largement une petite poignée de main bien virile, une petite caresse entre amis. Tu sais jusqu'à combien ils peuvent survivre? Non. Moins 40 degrés. Moins 40 degrés. Sérieux? Ouais. Donc, rassurez-vous, les chiens sont totalement en bonne condition, ils ont pas froid du tout, contrairement à ce que je pensais. J'ai totalement peur. On est parti! On est tiré par les putains de chiens! Ah, hé, hey, les toutous, waouh! Oh là, on prend une descente, mon gars! Ah, ah, oh, mes doigts sont des Mr. Freeze! Tiens, prends ça. Ok, un okay. Ah, le mec me donne un gant. Vous avez pas l'odeur? Il y a vraiment une bonne odeur de bon chien. J'ai l'impression d'être dans une putain de niche. Un, deux, trois! Viva les caninos! J'aurais jamais cru être aussi proche de toi pendant un moment aussi incroyable. Vous que c'est pas pour me déplacer. Ok, un ok. Au KLM les chiens, au KLM. J'espère que vous avez apprécié ce petit vlog, cette petite vidéo, ce petit bonus, appelez-le comme vous voulez. En tout cas nous on s'est bien marré. Nous on a kiffé de le faire, on a kiffé vous présenter nos vacances. On s'est éclaté avec vous. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la sienne, John Rachid. Beaucoup beaucoup. A très très bientôt, ciao. Salut. Mon cœur, cette fois j'ai pas pu me tromper, c'est sûr, c'est exactement ce que tu veux. Oh, un nouveau mec. Ah non mais alors là c'est parfait, merci.